Et bonsoir. Salut Xenoval, ça va? Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci d'arriver si vite sur le live. 1 minute, là, 1 minute et 12 secondes. Tranquille, tranquille. Super, super. Je vais bien. Ah non, pas de pub. Attendez, excusez-moi. Il y a une pub Spotify, j'ai pas envie que vous soyez agressé par la pub. Bon, vous allez tous bien? Moi ça va super. On se retrouve pour la suite du Nuzlocke Challenge sur Pokémon pour fêter les vacances et surtout parce que bah, le petit Paco il est pas là. Déjà eu une pub, ouais je sais, mais bon, moi je peux pas gérer les pubs sur Twitch, je suis désolé. Et vu que le petit Paco est un peu fatigué, bah la soirée vous la passez avec moi. Ah, je suis désolé, hein, c'est lui le plus drôle, mais bon. T'es mauvais! Ah ouais, c'est rapide, hein! Ambiance électro ici. Bon alors, et si on s'y mettait? On va ouvrir des smums. Tac, version noire 2. Et oui, on n'oublie jamais. T'as bien raison. Alors, ça dégage. Et voilà! Avec tout qui marche correctement, c'est parti. On n'oublie pas la petite tasse de thé. D'ailleurs, si je peux faire le kéké un petit peu. Évidemment que c'est une tasse Dragon Ball. J'aime bien les balles du dragon. Voilà. Alors, on en était où? Ah, yes. Tu m'as mélangé toutes les touches encore. C'est ça? Est-ce que c'est ça ou pas? Non, c'est bon. Oui, Dragon Ball. Parce que c'est marrant de dire Dragon Ball. C'est tout. Ah oui, baguette. Et baguette picodon, sandwich mafé et linguini. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Et je crois qu'on entraînait encore nos Pokémon. Avec El Famoso. La baguette de Peng français. Exactement. I am the baguette. Ouais. Je crois qu'il y avait un petit fight à faire en bas là. Ah voilà. Est-ce qu'on n'irait pas avec baguette et linguini là? Un petit peu. Je sais pas, j'ai oublié de sauvegarder. Baguette et linguini, attention. Contre des loubers. Eh, mais c'est les minables. Doudouvé et Chlorubule. Ah ouais, c'est la blague du coup. C'est des loubards, du coup ils ont des Pokémon mignons. Bon bah ça va finir en nitrocharge. Hein. Vas-y, mur de fer pour baguette, on sait jamais. Vu que c'est des Pokémon plantes en face. Un petit nitrocharge ici. Est-ce que ça pourrait marcher? Bon, après une nitrocharge, ouais, ça one shot. Cool. Après, on peut dire aussi: You are the baguette of my sandwich. Meuf de conte de fées et j'étais de Morve et Smogo. Ouais, grave. Et après, tu sais, c'est des Pokémon comme les autres, hein, il faut les accepter comme ils sont. C'est méchant après. Ce serait de la discrimina Pokémon. Magikwan. Normalement, il aime pas le feu. Bon, on va avancer. Le type poison. Ouais. En vrai, les types poison, ça peut être fort. C'est lequel? C'est. Les évolutions de Venipat qui sont quand même fortes. Je crois de souvenir. Bon alors, qu'est-ce qu'on a par là? Ah, rien. Ah, on a un combat déjà, c'est pas mal.
Énorme. C'était rapide. Prédastory. Quoi? Parce que Stal. Hein? Je comprends. J'ai rien compris. C'est quoi ça? Prédastory? Alors, à mon avis, lui, c'est un type combat. J'ai rien compris à ce que t'as dit. Je connais pas les termes. Les termes. Les termes de. L'émission les termes ou juste les termes? Parce que j'ai pas. Non, là j'avoue que j'ai pas compris. Ah, ça c'est un ranger. McBee. Il se passe quoi là? Il a bien mis 40 ans à. D'accord. Tu peux m'expliquer les termes? Ça c'est bon. Encore un Poké Ranger. Daru marron, ça va. Merci pour les attaques pour les Befrèves, c'est gentil. Voilà. Ah, y a pas. Comment il s'appelle Petit Ravix. Ici. Oula 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 oula. Attention quand même hein. Retour. C'est fort. Prédastéry, c'est un Pokémon de Soleil et Lune connu pour être en gros. Un gros mur dur à passer, et le stall, c'est des Pokémon ou des équipes dont le but est de faire perdre patience à l'adversaire en envoyant des Pokémon chiants à battre. Noisier, Métamorphe, Prédastéry, le Vénard par exemple. Ah, d'accord! Prédastéry, il ressemble à quoi? Je vais aller voir. Hein. J'ai jamais fait pour Soleil Lim. Prédastéry. Stéry. Oh là, oui, d'accord, ok, rien que la gueule du Pokémon, tu sais que tu vas pas passer un bon moment, quoi. Oh, quelle horreur. Quelle est cette chose là? Quelle est cette horreur? C'est dégueulasse! D'accord, ok, bon, pourquoi pas. Ouais. En gros, retiens, le stall c'est mal et Prédastéry c'est un exemple parfait pour les Pokémon que j'aime jouer. Ah, d'accord! Ouais, c'est un peu à la Monef limite Ronflex, ce genre de choses. Si je transfère. À ce que moi je connais quoi. Je me souviens plus, mais ouais. C'est un mauvais Pokémon en stratégie. Ah ouais, parce qu'il s'endort. Je vais prendre cher, je pense. J'ai pas des super Pokémon là pour passer le désert. Hein.
C'est pas fifou. Vas-y, c'est un champ de mine le truc. Est-ce que je suis venu ici pour une bonne raison au moins, ou je suis juste là parce que je suis allé là? Ouais, c'est ça, ouais, je suis allé là juste pour aller là en fait. Je suis vraiment con. Hein. Ah, mais il y a des trucs là. Ah, merde. En vrai. Tout à fait, oui. Ok. Un Pokémon défensif et un Pokémon stall. D'accord. Oh! Y'a Baguette qui évolue! Oui, bah j'imagine, oui. Après, moi je sais pas, surtout pour les types. Rayon gemme, ça c'est fort ça. Ouah, place de boule rock, hein. Bon, cool. On va sauvegarder là. Faut que je vois comment on le fait évoluer le géolithe. Soit pour ses résistances et ses immunités, les Pokémon Stall, c'est un variant du Pokémon défensif dont le but est de survivre, mais avec une capacité à tanker les coups comme jamais. Ah, joli, c'est par échange, dommage. Bon. Peut-être tu t'y connais bien en Pokémon. Et du coup, c'est des capacités genre détection, mur lumière, genre de choses. Je sais plus comment on appelle ça. D'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'il a lui comme objet? Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tiens, sandwich. Nucléos. Ça c'est un plan de scie, ça. Ouais. Ouais. Ah, il y a des Pokémon ici? Ah bah attendez, on peut voir si on peut pas en attraper une. En attraper un. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi pas. De souvenirs. C'est plutôt fort en plus, hein. Ah, comment ça s'appelle? Tout en qu'à faire. Non, c'est plus du genre, ton Pokémon a des stats défensifs de malade mental, il peut utiliser par exemple soin. Ah, toxique, abri. C'est un abri où quand le Pokémon adverse le touche avec une attaque physique de contact, il se fait empoisonner. Putain, c'est... C'est vrai que c'est assez horrible. Hein. Alors, comment on l'appelle? Un nom de plat. On l'appelle Truffe, parce qu'il est noir. Voilà. J'aime bien les truffes. C'est un peu fort, mais j'aime bien. Arrête de... Allô, je voudrais accéder au menu. Voilà, merci. Bon, le problème, c'est que j'ai rien pour le soigner.
Moi, je suis un peu parti dans le machin sans avoir de Pokémon en forme. C'est un peu con. Ça a l'air sacrément fort le truc de. Comment s'appelle de ce que tu me dis là. Prédastérie. Putain, c'est aussi un sacré nom hein, quand même. Faut avoir envie d'appeler son Pokémon comme ça. Hein. Ça qu'il a soin comme attaque et lui rend 50% de ses PV. Et Régéforce qui fait qu'à chaque fois qu'il retourne dans sa Pokéball, il va récupérer 33% de ses PV. Putain, c'est fort! Et Régéforce, c'est quoi? C'est un. C'est un. C'est une attaque ou c'est un truc signature? Enfin. Son talent? C'est un talent, d'accord. Putain, c'est giga fort, hein! Et c'est une évolution ou c'est un Pokémon que t'as comme ça? Ah, arrête de m'emmerder, toi. Elle fait que me combattre, elle. Chaque fois qu'on passe devant. Arrête! Tranche herbe, très bien. À poste de charge. Allez, salut. Ah, Sonic. Sonic Adventure. Et aussi, il a sabotage pour retirer l'objet qu'il porte que porte le Pokémon adverse. Ouais, c'est vrai. Et ébullition qui attaque haut avec 30% de chance de brûler la cible. Ouais, c'est pété en vrai. Ça, c'est un truc en stratégie, c'est super fort. Hein. Et j'imagine qu'il a 4 milliards de PV. Avec des stats défensives de fou aussi. On va se prendre des super repousses, juste au cas où. Et une corde sortie. Ça, c'est simplement au cas où. Arrête de m'emmerder, toi! C'est un truc de fou! Putain, merci pour les niveaux gratuits, mais quand même. Non, il a que 50 de base stats de PV, mais dans les 150 de base stats défensives, alors ça compense énormément. Bah ouais, forcément. Peut-être qu'un jour j'essaierai une ROM. Une ROM soleil et nul. Ça peut être bien. C'est quoi ici? Ah, c'est la galerie! Votre expression favorite? Barrez-vous. Il est type haut poison, et sachant que les Pokémon de type poison ont 100% de chance d'empoisonner avec Toxique, bah y'a avec ses. Ah ouais! C'est giga fort! Quand je suis ému! Chiotte! Ouais, merci! Votre titre, suzerain. Non, calife. Ah ouais. Je pense que ce Pokémon, ils veulent le garder, quoi. Non, mais après, il en faut des Pokémon comme ça. Hein.
Bon, on est arrivé. Ah oui, c'est l'arène sympa, ça. Oui, pourquoi pas? Let's go! Trois générations d'affilée qu'il y a. Ah ouais. Alors, on va faire engorgement. Wouah! Il m'a enculé! Envoyer baguette. Hein. On va laisser le vipelière buter tout le monde. Hein. Non mais stop au bout d'un moment. Hein. Pourquoi je peux faire de focus là? Merci quoi. Non mais please. On va juste tanker, hein, c'est pas grave. Mais ça suffit peut-être au bout d'un moment. Vas-y, rayon gemme. Allez, Taras. Merci quoi. Ouais, c'est trop bien. Magneto VS, c'est cool. Merci. Tu comprendras que j'aime jouer à ce truc dans mon équipe. Bah oui, je comprends très bien. En vrai, c'est fun. Surtout quand tu joues en multi, j'imagine. Les gens, ils doivent péter un câble. Après, ça doit être connu. Hein. Moi, j'ai connu le ratata. Comment ça s'appelle Le ratata. Avec. Comment ça s'appelle? Croc de mort, c'est pas ça? Qui one shot, je sais plus. Un truc dans le genre. Club des épreuves. C'est quoi ça ici? Grand stade. Music hall. OZEF. On est où en fait? On est à Méanville. Arène de Méanville. Faut la trouver. Ah, c'est le type électrique, je crois. C'est pas là à droite? Ouais, si, c'est ça. Là, il y a la. Ouais. C'est ça. Alors, j'ai battu un gars parce qu'il adorait me faire brûler son seul. Me faire brûler son seul Pokémon qui pouvait tuer mon prédestiné facilement. Et du coup, au revoir le Karchakrok. Ouais. Ah, mais je comprends, hein, c'est trop fun, hein. Bon, à mon avis, Baguette sera à l'honneur. Ou alors je raconte n'importe quoi. Ouais. C'est ça, hein. C'est pas la reine ici? Ah. Zébibron, si, voilà. Putain, il est moche lui. Raté. On bat les couilles de la paralysie. C'est quand même bien pratique hein, qu'on puisse accélérer le jeu comme ça. Plus fluide pour le live. À la base, je voulais faire du Assassin's Creed Rogue. J'étais pas sûr. Du coup, je me dis autant faire un truc dont je suis sûr.
t'as pas augmenté ta défense, je reste un Pokémon de type rush. Hein. Ça va être compliqué pour toi. Hein. Voilà. En plus, c'était riche. Alors, est-ce que j'ai un antipara? Évidemment que non. Est-ce qu'il y a besoin d'une super potion? On va jouer safe, parce qu'il est paralysé. Ah, bah voilà. Ok, bon bah c'est... Ah mais c'était l'ancienne arène ça! C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Bon, c'était sympa quand même. Putain, mais du coup, la nouvelle arène, elle est où? On n'en sait rien. Ça doit être là, hein. Non. Petit terrain. Ouais. Bon, peut-être par là alors. Ah non, il va me faire. On peut pas passer. Ah, si, on peut passer. Ah, un flic. Un rototope. Vas-y, rayon gemme. Oh non! Oh, fais chier! Oh putain, vas-y. Je me suis dit que ça passait. Fais chier, bon, c'est pas grave. Vas-y, on va prendre truffe. Buée noire, c'est quoi ça? D'accord. Vas-y, ténèbres. C'est de la merde. Cogne. Aïe. C'est la merde. Merde. Il va m'enculer là. Ah, vas-y, il est chiant avec son putain de rototope là. Quel Pokémon j'ai? Vas-y, baguette. Mais quoi, c'est super efficace, mais mes couilles hein. Ah putain, vas-y, ça me saoule. Chiant ce Pokémon là. Faut que j'aille entraîner mon larveillette. Ah! Vol! Ah ouais, carrément quoi. Qu'est-ce qu'il y a ici? D'accord, ça compte comme un... Ça compte comme le Pokémon de la route ou pas, vous croyez? Si c'est ça, je sais pas.
écoutez, j'ai attrapé, on verra bien. On va se dire que non. Parce que c'est pas très ouf, quoi. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Ah bah, bon. Vu comme ça. Ah. Réveille-toi! C'est bon. On va essayer d'entraîner le petit Pokémon là. Cryptero! Wow, il est moche lui. Ouais, il nous a enculé. Ok, cool. Ah, enfin! Couverture, abri. Putain, autant oublier ça. Arrête. Voilà. Il a l'air de s'en passer des trucs par ici. Un rose bouton. Oh merde, je voulais pas faire ça. Oh, c'est pareil, hein. Le même cam, ça. Encore? Putain, mais c'était rapide! Maternelle, bah voilà. Notre premier Pokémon. Troisième évolution, c'est pas ouf ça? Tourne-grain, oui. Quoi là-dedans? Ça que tu veux? Si tu veux. On sauvegarde. J'ai dit on sauvegarde. Voilà. Bagiguan. Voilà, problème réglé. Survinsecte! C'est fort ça. Combat rotatif, ouais. Deux Chinchidou, quelle horreur. C'est un petit moment que ma fée n'a pas gagné d'expérience. Là, on va enlever le truc sur la veillette là. Ouais.
Je crois que je vais être obligé de me taper le rototop, hein. Parfois, c'est les trucs les plus cons, hein, qui font le plus chier. Roulade. Ouais, évidemment, hein. Alors c'est passé, mais du cul, quoi. C'est passé parce qu'il est débile, mais sinon ça passait jamais. Complètement con. Ah, c'est juste de la pure chatte. À savoir comment, mais... Bon, allez. Non mais attends. Là je me barre alors qu'il devrait peut-être y avoir la reine quand même. Ça c'est le métro. Que je réfléchisse. Où est-ce qu'on voit les badges? On quitte. Hein. C'est pas là, là? Si. Ah bah c'est bien elle alors. Ça me perturbe. Oh, y a un Pikachu géant. Ah, mais elle est là, la reine. Putain, mais je suis juste trop con en fait. Bon, bah, c'est parti. Grosse ambiance ici. Qu'est-ce qu'on a là? En type sol. On a tunnel. Est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on la prendrait pas? Ah, ils peuvent pas. Par contre, Picodon il peut. Et ça, ça peut être intéressant. À la place de engorgement en vrai. Ça nous fera toujours une attaque du type sol sur lui quoi. Et Kid! Ouh, 27. Par contre, ça risque d'être. Ouais. Ah bon? Juste d'accord. Je me suis juste fait enculer en fait. Y'a pas de problème. Bon. Ça va être complexe. Ça va être complexe. Et je vous avoue que là, j'ai la flemme. De réfléchir. J'ai la flemme de réfléchir. Alors ce qu'on va faire, c'est tout simple. On va sauvegarder ici. On va passer là. On va Alt F4 ça. On va se relancer la musique. Voilà. On va changer tout ce qui se passe dans les titres et tout ça là. Oui, je change directement de jeu comme ça, j'en ai un peu rien à faire. Voilà, très bien. On enlève ça là, voilà.
Exactement. Ça s'appelle du balécouillisme et nous sommes contents de faire du balécouillisme aussi puissant. Tech. Il est où le jeu? Parce que en vrai, on va faire ça, on va s'entraîner et puis voilà. Tac. Ah putain, j'ai oublié d'enlever tout ça. Voilà. On va juste tout simplement attendre et puis voilà. T'as pas envie de m'aider à capturer la fenêtre spécifique, c'est ça? Ah voilà, merci. Que ça fera ramener Paco, on sait rien. En non classé, c'est bon, voilà. Comme ça, on risque rien. Et vu qu'on est sur Valorant, on va changer la couleur. Voilà. On est en dark mode. Un petit raise. Bah depuis que j'ai appris que les C4 ça permet de se propulser, le jeu c'est pas le même. Hein. Quand même, faut être. Je suis quand même giga con. Prends pas le temps de lire là. Très très fort. Ah, il y a un AFKS pour ça. C'est pas grave, ça relancera une game. Happens. Bon, bah ça relance. Tant pis. Oh, ça trouve vite des games. Pour la même map en plus. Du coup, je me demande en classé si c'est pareil, il y a des bans et après tu piques au fur et à mesure parce que j'imagine que tu peux pas être contre le même perso vu qu'il y en a quand même une petite pléthore. Je pense que c'est fait exprès. Attendez, on se met dans l'ambiance. Let's go Sullivan. J'ai une de ces tronches. Il va où le porteur là?
C'est moi qui ai fait ça là? D'accord. Let's go! Opportunisme. Moi qui l'ai eu par... Tout le monde est mort. C'est génial. Putain. Zéro moment pour réagir. Vas-y go Bucky. Du coup on change de côté. Logique. Poker face. Ah, y'a un leurre. Yo, ça va ou quoi? Yo. Ah chier. C'est un peu de la merde. Mais c'est marrant. Faire une sorte d'écho un peu chelou. J'arrive pas à viser. J'ai touché. Touché deux fois. En vrai, s'ils font de la merde comme ça, ça va. Hein. Ouais, mais elle a de ses sens. C'est l'ultime ça. C'est cool. C'est cool. Du coup, ça me permet d'acheter la fantôme, ça. Et je vais passer par là en fait. C'est un peu prématuré quand même. Hein.
Non mais... Mais je prends ces trucs? Ah non mais ça par contre faut pas le faire hein. Mais je prends ces trucs par contre? On va prendre ces one tap? C'est un truc de fou hein. Elle est mid un peu. Faut se calmer, hein. Derme là. Ah bon. Ah oui, d'accord. OK. Yo, ça va ou quoi? Yo, j'ai eu de la chatte. Elle va me one tap. Ah, c'était sûr, j'ai 2 PV. Chier, j'aurais dû juste pas chercher le fight. Parle beaucoup, hein. Vous allez venir ou pas là?
service. Un peu de sous. Ouf, ouf. D'accord. Ah. Bien. C'est bien ça. En vrai, il y a 4-4, c'est pas si mauvais. Hein. Bon, moi je meurs quasiment tous les rangs. Mais ça va. Il est où le spike? Ah d'accord. Elle a lancé son ultime là, non? Bah autant poser hein. Ah chier putain. Bon, j'ai pris pour elle. Hein? Elle peut se faire voir? Qu'est-ce qu'ils font eux? Ils font une petite randonnée, comment ça se passe? On dirait deux bottes. Elle pas. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Non, je voulais pas faire ça.
quoi? Entrée, ça change la résolution. Ok, c'est très bizarre. Vas-y, Odin. Je voulais écrire dans le chat, mais apparemment, j'ai pas le droit. En vrai. Ok. Il y a personne. Ok. C'est moche. Wesh. Du coup, ouais, c'est ça. Je découvre des touches. C'est cool. Permettez-moi. Ah, pourquoi je suis sorti? Je suis trop con. Je cherchais le fight pour rien, je suis débile. Ça l'aurait fait venir, il aurait pas utilisé son opérateur. Ah, trop bête. Ouais, moi je vais B en fait. Calmez-vous, on est en normal niveau 15. Hein. Pour tout s'arriver de là, ça va être drôle. Ça a lagué. Pardon. Je prends des dégâts un peu sortis du cul là. Hein. Merde. Putain, je sais pas monter ici.
Mais lui, il arrive comme un... Comme un ninjax, quoi. On dirait un bot, putain. On dirait un gigabot. On dirait un bot, non? Dirait un gigabot? Oh, ça me gaffe que cette touche ça change la résolution de l'écran. My Pocket Sage. Ouais, mais attends, on dirait. C'est ultra bizarre. Ah, 80. Ce jeu, des fois, c'est ultra chelou comment les gens jouent. Hein. On dirait des giga méga bots, hein. Que ce soit en face ou dans ton équipe. Sais pas. Je suis assez subjugué. C'est rien du tout là. Juste aller middle en fait. Ah mais s'il y a personne B les gars, c'est compliqué. Hein. Je vais me mettre là et puis voilà. Hein. S'en va. On dirait vraiment deux bots, hein. Deux robots là. Sans aucun stress. Ça me fume. Les gars ont zéro stress et tranquille.
Évidemment qu'elle a fait le tour. Je l'avais touché en plus. Comment je sais pas, mais je l'ai touché. Oh là là, putain. Ah, panique. Je suis tellement redescendu. Je sers à que dalle. Non mais c'est très bizarre. Je sais pas si c'est des bots mais en tout cas c'est ultra chum. Pourquoi tu fais le pachyderme? Ok. Ils sont ultra chelous. Hein. Poker face. Ah. Ah, panique. Ah putain, dommage. J'ai touché à peu près tout le monde, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. Bon bah, nice. Mais c'est ultra chelou comme si. Non, mais c'est des bots, c'est pas possible, attends. Tu joues pas comme ça à Valorant. Un jeu de tir. Je sais pas. Je suis subjugué.
Bon, bah y'a personne. Évidemment, c'est A. Une victoire au moins pour ce stream. C'est bien, c'est bien. C'était très bizarre hein, quand même. Ouais. Ali et Sissi là, c'était très bizarre. C'était très bizarre. Bon, je vais quitter ça. Tac. Je vais quitter ça, je vais quitter ça. Et je vais réfléchir un peu à ce qu'on va faire demain. Tac. Qu'est-ce qu'il y a un peu de sympa à faire dans les jeux gratos? Non. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je sais pas. Quoi les plus populaires? Dota 2? C'est le plus populaire Dota 2? D'accord, pourquoi pas. PUBG, merci, ça va. On a assez dépensé là-dedans. Apex, merci. Y a pas des MMO un peu là? Y a quoi un peu en MMO? Guild Wars 2. Apparemment, c'est bien ça. C'est en français. Sinon j'avais Black Desert Online aussi que j'aimais bien, mais je sais pas trop ce que ça vaut réellement. Enfin si j'ai envie de me lancer dedans quoi. Parce que je vous avoue qu'un bon MMO là ça me manque. Plutôt que World of Warcraft, franchement World of Warcraft, Blizzard, tout ça, non merci. Mais je sais pas entre Guild Wars 2 ou comment ça s'appelle, ou Black Desert, ce qui est le mieux. Je sais pas trop. Voyons voir. C'est quoi un peu le gameplay de Guild Wars 2? Sais pas qui c'est, hein. Je veux juste voir ce que c'est. Enfin, si YouTube me permet. Ah oh, putain, tasse. Je recharge pile quand c'est chargé. Allez, s'il vous plaît, là. Ah, c'est ça? Ouah, rien que l'interface, j'aime pas.
Oh, ça a l'air vieux. C'est un vieux jeu, ça, non? 2012. Ah ouais, quand même. Ça a 10 ans. Et Black Desert. C'est Zerator, on a fait. Ah, 6h, on a fait alors. Tout le monde est immortel! Du voyage, cauchemar révélé. Ah, c'est toutes les quêtes? Enfin, toutes les quêtes de ma zone, j'imagine. Bonjour! Pardon. Ouais, non, en vrai, ça c'est pas fun quand tu joues tout seul. Non. Lui, il y joue parce qu'il a fait une OP, mais après. C'est pas intéressant, non? C'est pas intéressant. Bon, attendez. Attendez, attendez. On va faire un truc. On va repasser sur ma gueule. Tac. Je vais m'ouvrir le Xbox Game Pass là. Juste le temps de l'ouvrir. Tac. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là de probant là? Parce que bon, merci. Genre s'il nous fait, si je fais un, à quoi je vais jouer? Ouais, alors non. Toujours pas. Ah mais ça je m'en souviens, il paraît que c'était un jeu il y a quelques années. On pensait tous que c'était une fraude mais non. Battletech, ouais. Plante vs zombie, ouais. Neighbor, ouais. Après pour demain après-midi, je sais perso moi à quoi jouer. Si on veut retourner dans le rétro gaming, je sais quoi faire. Parce que j'ai là des petits bijoux. Ils sont où? Ah, ça, rien que ça, là. Ça aussi. Ça, ce serait cool de se le faire en live, en vrai. Un petit BioShock Infinite. Bon, j'aimerais bien faire le 2 et le 1, mais. Ils sont ultra crachés. Et ça aussi, putain, ça peut être sympa aussi. Oh, Sekiro, en âme, en cœur et en tout point. Si j'avais les moyens, je m'achèterais Elden Ring. Mais non. Après, j'avais prévu ça à la base. Sauf qu'il y a eu la flemme. Après, voilà. Unity Syndicate, ouais, pourquoi pas. Si un jour on a envie de mourir, ou alors on se fait les Arkham. Ou un Dark Souls. Et là on y va enfin, on se lance là-dedans, on fait le jeu, on y joue à fond quoi. Parce que je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais Dark Souls j'ai déjà fait. Enfin j'ai déjà essayé de le faire sur la chaîne. Il y a longtemps. J'ai fait une vidéo. Putain, mais quelle fraude. Découverte totale. Giga fraude. Venez, on va voir la fraude. Salut à toutes et à tous. Oh putain. J'étais youtubeur. On se retrouve pour un... Ouais, un peu gênant ce monsieur. Sword Art Online, putain, ça aussi c'était sympa, mais c'est trop chiant en vrai jouer. On a fait quoi d'autre sur la chaîne que j'ai un peu d'idées là. Je faisais des vidéos pour faire des annonces live. Ah ouais, d'accord. On en était là quoi du coup. C'est quoi ça? Mais c'est débile. J'ai joué à LOL il y a un an. C'est la dernière fois que j'ai joué à LOL. Putain, c'est chaud. C'était il y a si longtemps.
Là, il y a encore une vidéo LOL et je crois qu'on n'a plus après. Ouais, c'est la dernière fois que j'ai joué à LOL, par là. Il y a un an. Il y a un an, je me suis sevré de ce jeu. C'est fou. Voilà, Dark Souls 3, évidemment. Je jouais quoi avec Dark Souls 3? Marteau de Vort? Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite. Décaille. Ouais, marteau de Morn. Meilleure arme du jeu. Et Sekiro. Oh, putain, ouais. BioGold. Je fais des vidéos pour aller en BioGold, c'est chaud. Y a pas un vieux jeu que j'ai fait sur la chaîne? Ah ouais, non, ça s'arrête là et après c'est des. Ça c'est des fraudes ça. Ça c'est juste pour être référencé ça. Ouais, Borderlands 2. Jeu de cœur, mais est-ce que t'as la foi de rejouer à tes jeux de cœur comme ça? En vrai. C'est long, hein. Fais un regard d'une ouverture de box de Paco. Aujourd'hui dans Poké Mercredi, on se retrouve pour l'ouverture. Mais le mois de juillet, mais c'est pas grave. Boîte métallique, comme d'habitude. Soin de l'éleveur de Pokémon. Chacripant. Méltan. On va voir. Oh! Une rare holographique. Un Pachirachat. Pachirachat, donc l'évolution de. Il s'amusait le petit, hein. Regardez ça là. Il faudrait quand même qu'on lui renvoie ça, hein. Continue comme ça. J'aime tes vidéos. Elle est où la vidéo que j'ai choisie? Il n'y a plus la vidéo que j'ai choisie. Et il s'est arrêté. Il y a un an. Voilà. A même donné son avis. C'est un vrai influenceur. Putain, ouais, il y avait Prince of Persia. J'aimerais bien me refaire un de mes vieux jeux, mais je sais pas lequel. Bon, je vais réfléchir. Je vais réfléchir dans mon coin. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'en vrai, sans Paco, c'est un peu chiant. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Bisous à vous. Et portez-vous bien. Merci d'avoir suivi. Ciao YouTube.